Haricia, dans le nom de Jésus, et nous saluons tout. Nous saluons dans le nom de Jésus, et nous disons grâce et paix, bon Dieu, avec nous tous, avec chaque monde qui matin, qui monte sous l'île là, nous disons grâce et paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Amen. Bon Dieu bénis-nous et que bon Dieu capable de nous ouvrir les oreilles spirituelles pour nous capables d'entendre des paroles. Amen. Que nous capables porter changement que nous devons porter pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous vivons dans le mois de février, deuxième mois de l'année, mois de la communion avec Dieu. Et nous jouons une référence nous, dans 1 Jean 1, verset 3. Nous pourrons lire. Référencement, nous prenons les paroles bon Dieu ensemble avec vous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Matin, nous sommes capables de dire oh, le nom est mon communion et nous sommes capables de décortiquer dans le sens. Nous sommes capables nous sommes commun, communauté et puis nous sommes union là-dedans. Ça t'a voulu dire fond ensemble. Ça t'a voulu dire, pour nous bien comprendre, fond ensemble, ça t'a voulu dire, poisson crasé dans le bouillon. Ça t'a voulu dire encore, 50 corps à dérouler. Communion avec bon Dieu, ça voulu dire, fond dans bon Dieu. Et bon Dieu lui-même, fond dans nous. Mais. Ça faut comprendre ça, la Dieu là. Communion, c'est une relation entre deux mondes ou bien plusieurs mondes. Yo mette tout ça, yo gagne ensemble. Yo vin font association. Côté ou joine deux partenaires ça yo ou bien plusieurs partenaires yo qui mette tout capital yo ensemble pour yo capable former yon bien commun. C'est même bagay. C'est même gens tout pour croyant yo. Li fait yon seul avec bon Dieu et Jésus-Christ. Et c'est ça 1 Jean 1 verset 3 dit. Papa nous li ban nous Jésus. Et Jésus lui-même mettait en communion avec Saint-Esprit. Il mettez-nous en communion avec Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 13, dit nous ça. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et en tant que chrétien, et son mot nous remet en pile, nous remet mot ça en pile, nous dit que nous chrétiens, oui, en tant que chrétien, sous chrétien ou sorti Christ, en tant que chrétien, nous devons connaître qui côté sous communion avec Jésus a sorti. Parce que si on ne connaît côté sous communion avec Jésus a sorti, ou pas capable de communion avec lui. Donc, ça va bien, mon chrétien, petit chrétien, on comprend, c'est dans la bouche là toujours. Yo pa jam kapab wèl nan ou menm. Parce que sou pa konnen sous côté communion sorti, sou pa konnen origine ou comme chrétien. Ou pa kapab viv en chrétien.
en communion avec bon Dieu et avec Jésus-Christ. Nous parlons dans 1 Jean 1, verset 2. Qui dit nous comme ça? Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous voyons là? La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vie éternelle, ça qui était auprès du Père, là, c'est Jésus-Christ. Qui nous a été manifesté, là, que Jésus qui vini, bon Dieu voyait. Dans le monde, ça, bon Dieu voyait sous terre pour lui capable de venir sauver nous de la mort éternelle, pour lui capable de ba nous la vie éternelle. Là, nous, ouais. La naissance de Jésus, nous est l'incarnation. Et Jésus t'est venu pour te laver nous. Jésus venu pour te dépouiller nous. Jésus venu, bon Dieu, voyez Jésus, pour te capable de nettoyer nous. Pour te retirer nous, retirer péché nous. Non, Jésus a bien péché. Jésus lui-même pas commettre aucun péché. Et quel que soit monde qui fonde dans Jésus. Moi dis oui, quel que soit monde qui fonde dans Jésus, pas gain péché dans lui-même. Sous fonde dans Jésus, ou pas ka gain péché dans vous-même. Et sous ou gain péché dans vous-même. Si on n'est pas capable de dépouiller de tout péché, ou pas capable de dépouiller de toute pauvreté, ou pas capable de dépouiller de toute mauvaise tendance, qu'on n'a pas qu'on fonde dans Jésus, ou qu'on parle de Jésus, mais on n'a pas qu'on rentre dans Jésus. Parce que dans Jésus, il n'y a pas de péché. Et si on a communion avec lui, puisque c'est poisson crasé dans le bouillon, si on a communion avec lui, ou pas qu'on a péché même. Tout fond dans lui-même. Ou pas cap rete dans tout petit et zizanou yo, ou pas cap rete dans tout et petit péché, dans désobéissance ou, pas cap rete dans tout petit jalousie yo, ou pas capable rete là-dedans sous fond dans Jésus, faut tout bagage ça yo capable sortir dans la vie ou. Si ou même avec moi nous continuer baigner dans la boue péché que n'a baigner nous comme ça t'a voulu dire nous poko wel nous poko konen si nous continuer à baigner dans la boue péché nous si nous continuer à baigner dans l'hypocrisie nous si nous continuer à baigner dans égoïsme nous si nous continuer à baigner dans mensonge nous si nous continuer à baigner dans jalousie nous si nous continuer à baigner dans adultère nous si nous continuer à baigner oh oui dans idolâtrie nous poko wè Jésus nous poko konnen parce que sous konn Jésus. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Sous un Christ, on doit gagner une nouveauté de vie. On doit renaître de nouveau. Nous joignons une deuxième source, communion avec Jésus. Premier source à nous dire, c'est naissance de Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus. Et deuxième source là, nous joignons dans l'amour de Jésus sous la croix. Dans l'amour de Jésus sous la croix, ça que nous relève, crucifixion. On allait dans 1 Jean 3, verset 16, qui dit nous, nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia.
Jésus bail la ville pour. Le Jésus te prend croix, il te met sous dol, c'est tout péché où il te ramassé. C'est tout péché moi-même avec où il te prend. Il est venu sauver nous en bas d'un mot certain. Il est venu sauver nous en bas dégradation. Il est venu sauver nous en bas et ténèbres. Côté nous-mêmes, nous t'ap voté à côté de nous t'es en lycée. Il est venu prendre pour nous, il pote quoi, il baille la ville, il vient se sang, il pas dit un mot. Et malgré que tout ça que yo t'ai fait, il t'a dit papa pardonne yo parce que par contre ça a fait. Alors que nous te contrerait bien ça nous t'a fait. Le bon Jésus-Christ est deuxième source communion nous avec Jésus. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de arriver à comprendre qui grandeur l'amour ça a payé. Nous ne sommes pas capables de arriver à comprendre pour qui ça Jésus est mort juste pour être capable de sauver nous. Pour être capable de nous la vie. Yeah. Nous avons une question. Que chaque chrétien est capable de poser tête sur. Chaque chrétien est capable de poser tête sur. Si vous avez sous communion, il faut que vous ayez des conditions. Est-ce que ce n'est pas ça? Si vous avez sous, mais il faut que vous ayez des conditions pour être capable de pénétrer, pour être bien dans ce sous-là, pour être capable de bénéficier dans ce sous-là, il faut que vous ayez des conditions. Et, condition qui requise, condition que vous demandez pour que communion entre ou même avec bon Dieu, avec Jésus, qui est capable possible, matin, qui te me dit, frère, sœur, zami, nous même cap coûter. Ma prédit nous ça encore exercer les oreilles spirituelles, nous, pour nous capables de comprendre. Pour leur comprendre, pour capable pour pas passer à côté et s'imiter avec bon Dieu, avec Jésus, avec cet esprit. Si vous pas ouvrir les oreilles pour tendre les paroles, bon Dieu, à parler. Les paroles, bon Dieu, leurs serviteurs, servantes, bon Dieu, à parler paroles, bon Dieu, faut ouvrir les oreilles pour capable tendre et pour parole la capable rentrer dans vous-même. Faut être capable de rester dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, pour que vous ne pas passer à côté, intimité avec bon Dieu. Parce que communion avec Dieu, avec Jésus, sont intimité liées. C'est un intime. C'est où Abraham était tellement intime avec bon Dieu, où l'œil pral fait des gars là. Quand vous, pasteur, et pour pas te dire non, il ne pas cacher bagay ça pour Abraham. Il ne pas cacher Abraham que pral fait des gars. Dans Sodome et Gomorrhe. Mais c'est même gentil, et dans nous-mêmes, si nous mettons nous dans l'intimité, bon Dieu, il y a des dégâts, le seul pas qu'à cacher nous. Donc, on nous entre dans l'intimité nous avec bon Dieu. Donc, pour ne pas passer à côté. Donc, condition, yo. Qui condition que nous besoin pour nous capables de rentrer dans la communion avec bon Dieu? Nous besoin marcher dans la lumière. Nous besoin marcher dans la lumière. 1 Jean 1 verset 7 dit nous ça. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Nous besoin marcher dans la lumière. Deuxième condition, nous besoin reconnaître péché nous. Ha, ça sont bagages qui durent pour nous-mêmes chrétiens, pour nous reconnaître péché nous. Parce que nous tous nous bons, depuis nous dit oui, moi accepter Jésus et puis nous connaît nous bons, nous connaît nous rivé, nous met à patauger dans ça, nous pas ouais péché nous, nous ouais péché nous reconnaître le pas capable faire péché mais nous-mêmes nous toujours bons, nous toujours propres. Et bien deuxième condition pour entrer dans la communion avec Jésus, faut capable de reconnaître péché. 1 Jean 1 verset 8 dit ou dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si on dit qu'on n'a pas de péché, c'est peut-être ou à bail menti.
et ou pas gen vérité dans vous-même. Et depuis ou pas gen vérité dans vous-même, ou pas capable en communion avec Jésus, ou pas capable en communion avec mon Dieu, parce que bon Dieu c'est la vérité, bon Jésus c'est la lumière, Jésus c'est la vérité. Et troisième condition, nous, faut nous confesser péché nous. Là nous finons reconnaître que nous péchons. Nous parlons devant mon Dieu noir, devant papa noir, qui c'est qui c'est miséricorde lié renouvelé chaque jour. Eh bien, nous parlons devant mon Dieu noir pour nous confesser péché nous. Nous jouons ça dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes amis, qui ça vous le dit nous encore? Qui ça vous le dit nous encore? Et quatrième condition, c'est garder ses commandements. Oui, faut nous capables de rester dans le commandement, mon Dieu. 1 Jean 2, verset 3, 8, dit nous ça. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit qu'il demeure en lui, verset 6, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il n'a pas verset 8 là. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. On va aller plus loin. Nous venons cinquième condition, c'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est un, nous jeûnons dans 1 Jean 2, verset 28, qui dit nous, 1 Jean 2, verset 28 dit nous, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Et dernière condition que nous joignons, c'est se préserver des souillures du monde. Se préserver des souillures du monde. 1 Jean 2, verset 3, il dit, si. 1 Jean 5, verset 21, nous parlons dans 1 Jean 5, verset 21, qui dit nous, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est toute condition que vous devez remplir pour capable vraiment rentrer dans la communion avec mon Dieu. Secourir les frères dans le besoin. Secourir les frères dans le besoin. 1 Jean 3, verset 17. Dire ça, secourir les frères dans le besoin. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Frère Maxime, matin, moi je voulais dire, cherchez, rentrez dans la communion avec mon Dieu. Ou joindre source communion avec Jésus, ou joindre condition. Gardez qui est en condition que jusqu'à présent ou pour qu'on remplit. Gardez si vraiment ou te comprendre si sou te getan wè sous communion, sou te getan rentré, sou te getan comprendre vraiment qui jan pour rentrer dans communion avec mon Dieu. Moi vle kite aujourd'hui. Moi vle kite au matin en votre âme et conscience. Parce que chaque jour, on apprend la parole de Dieu. Light and Peace Ministry barre la parole de Dieu sans fa, sans make-up. Il barre exactement Jean lien de la Bible. Et il faut comprendre. Ce n'est pas taquiner à taquiner. Ce n'est pas peur pour peu. Mais le barre, Jean que l'éternel barre. Et matin, en votre âme et conscience, m'a quitté avec question ça. Ouvrez les oreilles ou bien.
Et pas zore chère là, non. Zore spirituel, vous attendez des questions. Et ou même, ou va comprendre. Ou va méditer sur lui. Et ou va oui. Qui ça qui m'a dit changer dans la vie? Question c'est là. Est-ce que, m'a dit tête ou, est-ce que je mène ma vie dans la perspective de l'enlèvement? Voilà la question. Est-ce que je mène ma vie dans la perspective de l'enlèvement? Et 1 Jean 3, verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance, l'espérance de l'enlèvement. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Comme lui-même, c'est lui-même, comme Jésus-Christ est pur. Que le Saint-Esprit de Dieu nous vienne en aide. Bonne journée. Amen. Amen. Amen.